Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Dimanche 22 janvier s'est déroulé le premier tour de la primaire de la belle Alliance Populaire, que nous on appellera la primaire du Parti Socialiste, puisque les quatre plus gros candidats étaient des anciens ministres de Hollande et membres du PS. Cette primaire, c'était un moyen de réaffirmer la cohésion du Parti Socialiste et surtout son existence, parce qu'après tout le bordel qu'ont foutu Hollande et Valls, le PS était pratiquement mort. Les cadres du parti attendaient donc une forte participation à cette primaire, et ils se disaient même en coulisses que s'il y avait moins de 1 500 000 électeurs qui participaient, bah ça valait même pas le coup de présenter un candidat. Donc pour pouvoir au moins atteindre cet objectif des 1 500 000 minimum, et sauver les quelques cendres qu'il reste du Parti Socialiste, ils ont organisé magouille sur magouille. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet que j'hésite même à faire un top 5 des manières de truquer une élection. On va donc avancer point par point, du moins important au plus important. Premièrement, le Parti Socialiste a acheté des fausses vues via le site Value Your Network pour faire croire que plus d'1 million de personnes étaient allées visiter le site de la primaire citoyenne. Bon, l'objectif était clair, faire croire que beaucoup de monde s'intéresse à cette primaire pour que les médias en parlent plus et que ça attire du monde le jour de l'élection. Bon, c'est digne d'un YouTuber qui achète des vues pour attirer une plus large audience, donc bon, c'est pas méchant. Mais ça pose déjà les bases. Deuxièmement, des journalistes ont fait l'expérience et ont réussi à voter plusieurs fois dans différents bureaux de vote. Quoi ? Bon, la majorité des électeurs n'étaient pas au courant qu'on pouvait voter plusieurs fois, donc ça n'a très certainement pas influencé considérablement les résultats de cette élection. Mais ça montre encore une fois le sérieux de cette primaire. Troisièmement, à minuit 45, le site de la primaire citoyenne affichait une participation de 1 250 000 personnes. Le lendemain matin, à 10h, ce chiffre était passé à 1 600 000. Bravo! Ils ont réussi à passer les 1 500 000. Le parti est sauvé. Mais il y a un tout petit problème. Les pourcentages de chaque candidat sont exactement les mêmes au centième près que la veille à minuit 45. Ça voudrait dire que ces 350 000 personnes supplémentaires ont voté de la même manière, exactement au centième près, que les 1 250 000 autres votants. La probabilité statistique pour que ça se produise, elle est de 4 pour 1000. Ou alors ça veut dire que ces 350 000 bulletins de vote n'ont même pas été dépouillés et ont juste été répartis équitablement entre chaque candidat pour aller plus vite. Ou alors, troisième hypothèse, ces 350 000 personnes n'existent même pas et le PS les a rajoutées entre minuit 45 et 10h pour gonfler le chiffre de participation et faire bonne figure dans les médias. Quatrièmement, chaque votant devait payer 1 € pour pouvoir participer à la primaire. Mais si les 350 000 personnes n'existent pas, comment le Parti Socialiste va trouver les 350 000 euros qu'ils vont écrire dans leur comptabilité? Est-ce qu'ils vont profiter de ça pour blanchir de l'argent qui viendrait d'une autre activité? Je dis pas que c'est ce qu'ils vont faire, il n'y a aucune preuve qui dit que c'est leur intention, hein. Mais il faut garder ça à l'esprit parce que d'autres partis ont déjà fait des magouilles similaires. Les Républicains. Cinquièmement, dernier point, le journal Libération a remarqué que quand on additionnait toutes les voix de chaque candidat, on tombait sur un chiffre différent de celui affiché sur le site. Le PS a alors vite fait rajouté 161 voix à Sylvia Pinel, histoire de rééquilibrer les résultats. Je veux dire, quand tu arrives à ce niveau de magouille, comment tu peux même prétendre être un parti honnête ou sérieux pour la présidentielle? Devant toutes ces révélations, le président du comité d'organisation de la primaire, Christophe Borgel, a avoué qu'il avait fait modifier les résultats de chaque candidat pour atteindre le chiffre de participation de 1,6 million. Je le cite, « Il y avait beaucoup de pression autour du niveau de participation. J'ai demandé à ce que les chiffres soient actualisés au plus vite. » Selon Christophe Borgel, ces 350 000 personnes, elles existent bel et bien, mais c'est simplement un bug informatique qui a fait que plutôt que le score soit recalculé, les 350 000 bulletins de vote ont été répartis équitablement entre chacun des candidats. Bon, si c'est un bug, comment ça se fait qu'il a toujours pas été corrigé à 20h quand j'écris cette vidéo, alors que l'information a été révélée par la presse depuis 10h du matin? Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, quand je filme cette vidéo à 11h, et que je veux vérifier sur le site de la primaire citoyenne mes sources, eh bien le compteur de vote a disparu? Pour l'instant, on ne peut pas savoir si ces magouilles ont influencé le résultat de l'élection. Bon, il y a fort à parier que c'est bien Hamon et Valls qui arrivent en tête. Hein. Je pense pas qu'ils aient truqué l'élection à ce point-là. Quoique... Les révélations tombent chaque jour, et j'espère que le Parti Socialiste se fera sanctionner soit par la justice, soit par le peuple qui ne sera pas assez con pour remettre sa confiance dans ce parti. Bon, le parti Les Républicains a fait 100 fois plus de magouilles, et pourtant il y a toujours des gens qui votent pour eux. Donc j'imagine que d'ici quelques années, tout le monde aura oublié. Je vous invite à vous tenir informé de l'actualité, puisque chaque jour il y a des nouvelles révélations qui viendront infirmer ou confirmer ce que je dis dans ma vidéo.
Je vous ai bien évidemment laissé toutes mes sources dans la description de la vidéo sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à Demos Kratos et surtout de partager cette vidéo un maximum. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à demain !